annoncé le projet régional de santé organisé par l'ARS qui va fermer des lits et des structures dans le département et également supprimer des postes de soignants suite à la loi santé qui demande que la santé et les hôpitaux publics fassent des économies. Et du coup, l'ARS met en place un plan régional de santé pour rationaliser. Alors exactement, il y a un décret qui est sorti en 2017 par rapport à cette loi santé qui dit que le personnel doit être mobile dans le groupement hospitalier de territoire et à terme, puisqu'il est annoncé de nombreuses suppressions de postes, chacun devra être polyvalent et mobile et aller remplacer dans des services qui ne sont pas forcément les siens et où les soignants ne sont pas forcément formés à la prise en charge de ces patients. Alors bien sûr que normalement il faudrait faire une formation, sauf que nos directions disent que nous devons être polyvalents et ne prennent pas en compte la mise en danger des patients dans cette polyvalence. Les personnels techniques sont également touchés à ça. À part ça, il y a déjà des personnels qui ont été des postes de personnel technique qui ont été supprimés. Et dans le groupement hospitalier, on regroupe et on mutualise les fonctions, alors que ce soit la fonction achat, la fonction informatique. Ensuite, ça sera la fonction sécurité, la fonction des ateliers et des réparations. Donc, on va laisser des gens sur le carreau et tous les personnels de technique de ces fonctions-là devront faire le tour du département pour pouvoir pallier aux tâches dans chaque établissement qui restera encore sur pied. La question est bien posée. À terme, l'hôpital public n'existera quasiment plus. Alors, n'existera plus pourquoi ? Parce qu'il ne sera plus financé par la sécurité sociale, mais financé par la hausse de la CSG. Et puis, parce que les soins deviennent payants par la mise en place de la T2A partout, et les soins vont devenir privés. Il faudra avoir de l'argent pour pouvoir se soigner. Sinon, on sera dans les personnes seront dans les patients de droit commun et devront attendre une multitude de jours ou de semaines pour être prises en charge par la santé publique. Je dirais qu'il faut que toutes les personnes se mobilisent parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire que de soignants ou de personnel travaillant dans les hôpitaux. La santé concerne tout le monde et la santé n'est pas une marchandise. Pourquoi vous partez communiste ce matin devant la RS ? Eh bien, avec l'ensemble des organisations syndicales qui sont présentes aujourd'hui, des militants, c'est pour défendre la sécurité sociale. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale a été créée par Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, dans une période où la France était ruinée. Et en mobilisant l'ensemble des richesses qui étaient créées pour l'intérêt commun, on a réussi à faire des choses très intéressantes pour le progrès social, etc. Eh bien, la place des élus, c'est d'être aux côtés des salariés, aux côtés de la population. C'est la raison pour laquelle l'ADECR 45, c'est l'Association des élus communistes et républicains du Loiret, est présente aujourd'hui pour soutenir l'action organisée par la CGT face à l'ARS. La sécurité sociale, c'est un acquis du Conseil national de la Résistance qui doit se développer et qui ne doit pas être remis en cause constamment comme c'est fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui a été fait précédemment par les autres gouvernements. Donc c'est un acquis qui doit être défendu et la place des élus, c'est d'être aux côtés des salariés et aux côtés de la population qui le défend. Aujourd'hui, on a un nouvel hôpital à Orléans, à La Source, qui commence par une belle inauguration et qui est poursuivi par des restrictions importantes, la volonté de réduire le temps de passage des malades dans l'hôpital pour rentabiliser les matériels. On s'aperçoit que le projet, c'est de réduire, par exemple, la présence des jeunes femmes qui accouchent, passer de 4 jours à 2 jours et demi en moyenne à l'hôpital, ce qui est contraire à l'intérêt même évident des jeunes mères et des enfants. Voilà. Il faut qu'il y ait un plan qui apporte suffisamment de moyens
Et des moyens, il y en a. Hein. Depuis des années, il y a eu des cadeaux qui ont été multipliés. Hein. Il s'agit de voir la fraude fiscale contre laquelle il y a très peu d'actions menées, hein, 40 à 80 milliards par an. Il y a le CICE qui correspond à des cadeaux faits au patronat de plus de 20 milliards. Et ces cadeaux vont être validés ensuite et pérennisés par Macron à partir de janvier. Donc il y a effectivement besoin que les élus prennent leur place dans la vie de la cité. Et un élu, ce n'est pas quelqu'un qui doit se concentrer sur seulement les missions, puisque je suis conseiller municipal, seulement les missions qui sont liées à l'action municipale, mais les élus doivent être présents aux côtés des personnels pour faire entendre leur voix. Les choses doivent changer et les élus doivent être écoutés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Emmanuel Macron. On l'a vu lorsqu'il est venu à Orléans s'adresser aux élus régionaux. On l'a vu encore au Congrès des maires de France où il n'a pas eu un accueil qu'il aurait pu espérer, parce qu'effectivement, actuellement, les élus sont méprisés, les moyens sont réduits et il y a une volonté de mise sous tutelle. Donc, les moyens existent, il faut qu'il y ait un débat dans le pays. Est-ce que l'argent doit servir au développement de la santé de la population, au bien-être de la population, ou est-ce qu'il doit partir dans des paradis fiscaux qui ne disent pas leur nom, puisque l'Europe, quand elle annonce des paradis fiscaux, elle oublie de regarder devant sa porte ou même derrière sa porte, puisque plusieurs pays européens sont aussi des paradis fiscaux qui contribuent à la fuite des capitaux. De la sécurité sociale.